Salut tout le monde, donc bienvenue chez Natural Fitness. Donc comme tous les mercredis, vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous mesdames, on va travailler le pourtour des hanches. Donc vous êtes beaucoup et nombreuses à me demander comment faire pour effacer la culotte de cheval. Donc on va y remédier. Allez, suivez-moi, c'est parti. On s'échauffe, inspirez, soufflez, relâchez, inspirez. On reste déjà en petit squat, soufflez. Relâchez, inspirez, grandissez-vous tout en restant fléchi sur les appuis et soufflez. J'inspire, je maintiens, je rentre le ventre, basculez le bassin vers l'avant, serrez les fessiers, rentrez les abdos et soufflez. Ok, tout doucement, vous allez pointer de chaque côté. Alors je pointe au sol. Allez. On s'échauffe. Ok. Encore un petit peu. Ok, je maintiens. Je vais passer chaque côté. On s'échauffe doucement. Allez, courage. Je passe bien appui. Un autre. Ok. Maintenez la position. Grandissez-vous. Restez, allez, on se grandit, on contente du sport. Ok. Voilà, j'ai inspiré. Allez, on file juste l'échauffement. On passe vraiment au vif du sujet. Soufflez. Et bien, inspirez, c'est grandissez, vous tendez les jambes. Et relâchez. Allez, c'est parti pour travailler ici à ce niveau-là. Donc, la fameuse culotte de cheval, on travaille pour tourner les hanches. Petit exercice, va durer une minute, j'ai chrono en main. Donc je descends en squat et je tends sur le côté. Toujours du même côté pendant 30 secondes, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, moi je fais 30, 4, 5, pointe de pied vers l'intérieur, 6, descends en squat et tends. Allez, 8, 9, 10, 11, allez courage, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus 10. Allez, 21, 22, 23, 24, 25, plus 5, allez, 26, 27, 28, 29 et 30. Ok, au 30e. Bloquez ici, alors on reprend la respiration. Ok, je tends les bras de chaque côté et là je pousse au côté. Et je reviens. Allez, soufflez. Et revenez. Encore. Et 3. Et revenez. 4. Vraiment basculer. Pointe le pied vers l'intérieur. Et je reviens. Allez. Encore 5. Avec moi. Et 4. 2, 1, restez, ancrez tout le poids du corps sur la jambe d'appui, tendez la tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, plus que 2, 9 et 10, et relâchez, parfait, on passe de l'autre côté, donc je répète l'exercice, je fais un tout petit squat et je bascule, jambes tendues sur le côté pour bien travailler ici. C'est parti. Et 1. On fait 30, courage. 2. 3. 4. 5. Poussez les fessiers en arrière. 6. 7. 8. Tendez là cette jambe. 9. 10. 11. Je sais, ça brûle, c'est normal. 12. Allez. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez courage, 21, 22, 23, 24, 25, 26, allez, 27, 28, 29 et 30, bloqué, ok, si vous avez un support, vous tenez. Si
Sinon, gardez l'équilibre. Rentrez grand, gainez tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. On essouffle parce qu'on fait du cardio avec vous. On fait des squats. Et quand vous tendez la jambe de ce côté. Ok? On vous suit comme tout à l'heure. Allez, on y va, on est sur le temps. 1, 2, relâche. 1, 2, relâche. Allez. 1, 2, regardez mon pomme de pied. 1, 2, relâchez. 1, 2, encore. Allez. 1, 2, relâchez. 1, 2, relâchez. Allez, courage. Poursuivez. Concentrez-vous vraiment sur la zone. Qu'on soit vraiment affermi, c'est très important. Squat, un coup jambe tendue à droite, un coup jambe tendue à gauche, on y va. Descendez, poussez les fesses en arrière, allez sur le côté. Descendez, poussez les fesses en arrière, allez sur le côté. Allez. Et deux. Et trois. Yes.
facile de chaque côté, un petit peu plus compliqué, qui fait travailler et les sous-bits, la noceuse qui est complet, et la fameuse culotte de cheval. Donc je me lève, je me mets sur un genou, et là je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là ça se contracte ici, c'est cool, et ça travaille ici en même temps. Allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez, relâchez. Ouh, on le sent bien de l'autre côté, c'est normal. Ne vous inquiétez pas sur mon lit, mais je le sens trop de côté, ça fait trop mal. Les poursuivez, c'est normal. C'est parce que j'ai bien travaillé sur l'autre côté. C'est si vous avez travaillé. On y va. On se lève. Alors, on appuie sur les genoux, sur le coude. Hop. Le bassin ici, c'est contracté pour le corps vers l'avant. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19, 20, plus 10, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bloquer et relâcher. Parfait. Ok. Allez, retour au calme. Super. Nous avons fait plus de 10 minutes de travail. Donc, 11 minutes et quelques de travail. C'est parfait. Vous avez bien bossé. Ok, on s'étire un petit peu. Quand on s'étire, on amène un pied légèrement profil. De l'autre côté de la jambe tendue. C'est un étirement classique pour étirer les fessiers et notamment le haut d'un fessier qui se situe à ce niveau-là. Allez, grandissez-vous, soufflez, relâchez les tensions dans les étirements. Passez à l'autre. Réalisez ces étirements plusieurs fois, mais je ne fais qu'une fois de chaque côté pour vous montrer. Je regarde à l'opposé. Continuez l'épaule. Ok, ça vous fait 2-3 fois de chaque côté. Bon, ben, je vous souhaite une bonne séance et n'hésitez pas à partager ces vidéos et à me donner vos commentaires. Allez, à bientôt. Bon entraînement.